Salut les terriens. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, non. Demain, la France joue une finale de Coupe du Monde et Zidane est à la retraite. Ce soir, en P1, nous accueillons Arnaud Klarsfeld, mesdames et messieurs. Arnaud Klarsfeld, bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que vous venez d'être nommé par Nicolas Sarkozy président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et vous avez décidé d'apprendre aux Roms à jouer de l'accordéon. Il serait temps. En P2, nous accueillerons Aurélie Filippetti. Aurélie Filippetti, députée PS de Moselle, très proche de François Hollande. Elle répondra à la question que tous les Français se posent. Putain, il a fait quoi comme régime? Toujours en P2, nous accueillerons Philippe Guéluc. Philippe Guéluc, le Belge le plus connu après Marc Dutroux, pour son livre « Guéluc enfonce le clou » qui n'est pas pornographique. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Léonard Sandou, qui nous dira ce que c'est d'être Rome en France en 2011. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Les Gréements de Fortune ». Arnaud Klarsfeld, rebonsoir. Donc vous êtes le fils de Beate et de Serge Klarsfeld, qui ont passé leur vie à traquer les nazis. Et vous avez grandi avec l'exemple de vos parents. On se souvient de votre mère, allemande, protestante, giflant en 1968 le chancelier Kissinger, ancien nazi. D'ailleurs, à l'âge de 3 ans, vous jetiez déjà des tomates. Ma mère m'a amené parfois dans les manifestations en Allemagne. Ouais. C'était une nouvelle génération qui ne voulait pas d'anciens nazis comme dirigeants de l'Allemagne. Ouais. À 19 ans, vous montez sur scène dans un meeting du Front National avec un t-shirt Le Pen égale nazi, ce qui vous a valu quelques coups de poing. C'était au lendemain qu'il lui déclarait que le génocide était un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Bon, service d'ordre m'a pris derrière, m'a passé à tabac pendant un bon quart d'heure. Et je suis reparti avec un décollement de la rétine. Oui, mais enfin, en même temps, j'ai su que mon attachement, disons, au combat antiraciste, c'était réel. Je crois qu'il ne faut pas simplement parler parfois, mais il faut parfois se remettre aussi en question. Ouais. Alors, à 20 ans, lorsque Kurt Waldheim, ancien officier nazi, devenu président de l'Autriche, reçoit le pape Jean-Paul II, vous revêtez publiquement l'uniforme qu'il portait à l'époque. Et donc j'étais arrêté et condamné, parce qu'en Autriche, c'est un délit de porter. Ouais. Donc j'étais condamné à 2 semaines de prison. Voilà, vous avez toujours été très proche de vos parents. D'ailleurs, aujourd'hui, vous occupez une chambre dans le bureau d'avocat de vos parents. Oui, enfin, ils ne sont pas là la nuit quand même. Mais bon. Mais oui, je suis très proche de mes parents, parce qu'ils m'aiment beaucoup, je les aime beaucoup, c'est les seuls qui me supportent. Et mon père est resté très jeune, très dynamique, et ma mère est très gentille, aimante, et très courageuse et très modeste. Enfin, j'ai que des bonnes choses à dire sur eux en public. En privé, non, mais en public, en tout cas, j'ai que des bonnes choses à dire. Ils ne vous prennent pas pour Tanguy, un peu, là, non? Non, ils me prennent un peu pour un fils un peu dégénéré, comme mon père fait. J'ai 2 fils, un quadrupède et un bipède. Et un Rick, c'est celui qui a réussi, c'est celui qui a 4 pattes. Voilà. Très bien. Alors, suivant les traces de votre père, vous devenez avocat, et là, vous vous illustrez à travers 2 grands procès. Le procès Touvier en 1994, le procès Papon en 1997. Alors, au procès Papon, vous arrivez en roller, et Alain Finkielkraut avait déclaré à l'époque: Arnaud Klarsfeld à roller, ça va faire grimper l'antisémitisme. Enfin, j'arrivais en roller, j'arrivais au café qui était à 100 mètres du tribunal en roller, tandis que ça choquait, mais que Papon arrive en voiture avec chauffeur payé par le contribuable, ça choquait pas. Mais ça montre, c'est un peu la presse de gauche, qui me reproche toujours d'avoir fait du roller ou faire du vélo, alors que ce sont des déplacements très écologiques. Oui, et j'ai remarqué que la France, la société n'est pas tellement changée depuis Balzac, et que c'était les formes qui comptaient, et que pour être pris au sérieux, il fallait se prendre au sérieux. Alors, à 37 ans,
la politique de la France vis-à-vis d'Israël vous pousse à faire votre service militaire dans Tsahal. Ça m'a enseigné l'expérience du terrain et ça façonne, disons, ma position aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire, je pense qu'il faut revenir aux frontières de 67 avec un échange de territoire et que Jérusalem-Est puisse être la capitale de la Palestine. Mais il faut que les Palestiniens renoncent à un droit de retour qui pourrait faire des Juifs une minorité en Israël. Ouais. Si on a créé un foyer national juif, bon, c'est pour que les Juifs soient majoritaires. Donc la colonisation de la Cisjordanie, ça vous choque ? Ça peut me choquer, disons, dans les endroits qui sont distants, mais dans, par exemple, le Gilo, qui est à peu près la même chose que Neuilly pour Paris, non, ça ne me choque pas, puisque ce sont des territoires qui seront nécessairement israéliens, sur lesquels les Israéliens ne vont pas revenir. Donc, ils peuvent les échanger contre un morceau de Galilée ou contre quelque chose d'autre. Et puis, votre vie va changer. Un jour, vous faites du vélo à Longchamp. Lorsque vous tombez sur Nicolas Sarkozy et Michel Drucker en train d'en faire aussi, vous vous joignez à eux. Je ne suis pas resté longtemps, j'ai tracé, parce que Michel Drucker... Non, il roule bien, plutôt. La Sarko va vous confier tout un tas de missions, à commencer par le rôle positif de la colonisation. En 2007, vous soutenez Sarko à la présidentielle avec un argument incroyable. Vous dites, de tous, c'est le plus gentil. Au fond, quand on le connaît, ouais, c'est le plus... Le plus sympa et le plus simple. Les autres ont l'air sympas, mais quand on les voit, quand on voit la manière de se comporter, non, ils sont pas sympas. Alors ensuite, vous tentez de vous faire élire député du 12e arrondissement de Paris, et là, vous déclarez « Je ne suis pas un expert du 12e, mais je l'ai traversé quand j'ai couru le marathon de Paris. » C'est énorme. Alors évidemment, vous perdez l'élection. En fait, vous n'avez jamais réussi à trouver la mairie, non ? Si, j'ai réussi. Enfin, à l'époque, vous voyez secrétaire d'État. Malheureusement, ce bide électoral vous l'interdit. Ensuite, vous devenez conseiller auprès de François Fillon, sans affectation particulière, d'ailleurs. Je pouvais intervenir sur n'importe quel problème. Ouais. Alors ensuite, vous entrez au Conseil d'État. C'est quoi, 7000 euros par mois ? C'est bien comme job, non ? 6880 euros par mois. Oui, c'est pas mal. Je suis avocat à New York, je suis avocat en Californie, j'ai été dans la meilleure fac américaine. Les gens qui ont à peu près le cursus, un copain à moi qui travaille... Moi, il gagne 25 000 euros. Ouais. Bon, c'est un travail très intéressant au Conseil d'État. C'est vraiment l'élite française qui se penche sur des affaires qui peuvent être très grosses ou très petites. C'est comme une sorte de temple Jedi du droit administratif. Ouais. Et début septembre, le président de la République vous nomme à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ça fait quoi d'avoir un président de la République comme conseiller d'orientation ? Oh, il m'aime bien, donc c'est sympathique. Ouais. Alors, à l'OFI, vous défendez la politique du chiffre du gouvernement en matière de reconduite à la frontière. Pour 2011, c'est 30 000. Quand la gauche compare les évacuations de Rome à la grande rafle du Veldiv, vous rappelez qu'ils ne partent pas à Auschwitz dans des wagons à bestiaux, mais chez eux en avion avec 300 euros. Bah oui, c'est presque du négationnisme de comparer le fait que de renvoyer des Roms qui partent volontairement avec 300 euros en Roumanie, d'où souvent la plupart reviennent, à la déportation. C'est du négationnisme, c'est salir la France. Sur le principe, enfin, c'est un peu inhumain quand même, non ? En quoi ? Bah, de les renvoyer là-bas. S'ils viennent ici, c'est qu'ils n'ont pas le choix, non ? Oui, mais tout le monde peut venir dans ces conditions. Je ne sais pas, moi, les Somaliens sont beaucoup plus malheureux que les Roumains ou que les Roms. Et pourquoi toute la corne de l'Afrique ne vient pas ? C'est inhumain, par exemple, un enfant qui est en France. Les parents sont entrés de manière irrégulière. L'enfant est ou né en France, ou il est arrivé à 3 ans, et maintenant il a 7 ans, il a été 4 ans en France. Bon, repartir vers un pays dont il ne se souvient plus, qui est en plus un pays pauvre, là c'est inhumain, parce qu'il a toutes ses attaches. Il est comme un petit Français. Ouais. Là c'est inhumain. Mais quelqu'un qui vient de rentrer et qui repart, en quoi c'est inhumain ? Où sont ses attaches en France ? Alors, vous êtes allé en Roumanie récemment, en voyant une famille vivre avec 8 enfants dans une seule pièce, vous avez déclaré « On ne fait pas 8 enfants quand on n'a qu'une seule pièce ». Ah oui, je le pense vraiment, réellement. Ils sont cons, alors, les Roumains. Non, mais c'est-à-dire, quand on a 8 enfants, on sait qu'il y a des mafias qui prennent les filles, qui font mendier les petits garçons. Les parents doivent quand même se poser la question « j'ai pas les moyens, j'ai peu d'espace, pourquoi alors, faire 8 enfants ?» Pourquoi ils font 8 enfants ? Ben parce qu'ils considèrent aussi, certains considèrent que les enfants sont une source de revenus. Peut-être qu'ils ne connaissent pas le planning familial. Il y a des moyens de contraception. C'est un peuple très talentueux, mais ils n'ont pas développé une élite qui leur dit, écoutez,
essayer de faire moins d'enfants, envoyer plus vos enfants à l'école. La France ne peut pas accepter non plus que des Roms viennent en France et qu'il y ait des réseaux de prostitution ou qu'il y ait des réseaux de mendicité infantile. C'est-à-dire la France ne peut pas revenir au temps de Dickens où les enfants volent et donnent non seulement volent pas pour eux comme dans, je sais pas moi, dans Indiana Jones où le petit vole et met dans sa poche, mais ils volent pour un gros caïd qui lui se fait construire des super villas à Timisoara. Slumdog millionnaire, oui. Vous n'avez pas peur qu'on vous dise que vos parents chassaient les nazis et que vous chassez les Roms? On peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est faux, c'est faux. Hein. Ouais. Alors votre ami Alain Jakubowicz, qui est le président de la LICRA, a dit « Arnaud soutient Sarkozy parce qu'il a sympathisé avec lui, mais ça aurait pu être Hollande ou Bayrou ». Hollande ou Bayrou ne font pas du vélo, Edin. Je supporte Sarkozy parce qu'il est le plus audacieux, le plus ferme pour porter la voix de la France au point de vue international et qu'il a des années-lumière d'avance en matière de stature internationale sur François Hollande ou sur d'autres. Et aussi parce qu'il a une politique qui est une politique pro-américaine et qu'on doit aux États-Unis la liberté qu'on a, sinon on aurait été nazi ou on aurait été communiste. On l'a critiqué pour le retour dans l'OTAN, mais maintenant c'est la France qui insuffle l'énergie à l'OTAN. Jamais Hollande ou jamais Bayrou, jamais d'autres à droite n'auraient fait la guerre à la Libye, n'auraient fait tomber Kadhafi. Ces défauts sont aussi des qualités. Il a reçu Kadhafi, il a laissé planter sa tente à Marigny, et il le fait, en gros, il le fait tuer quelques mois après. Eh bien, pour avoir cette capacité, c'est une capacité d'adaptation que n'auraient pas les autres. Nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud Klarsfeld. Nous accueillons Aurélie, Philippe et Philippe, mesdames, messieurs, et Philippe Guéluc. Aurélie, Philippe et Philippe, bonsoir. Donc, vous êtes ici ce soir parce que, ça y est, votre ami François Hollande est le candidat officiel du PS pour 2012. C'est sûr, hein? Ah oui, ça c'est sûr. Vous n'avez pas changé d'avis au dernier moment, il va y aller. 57% des voix quasiment au deuxième tour, c'est imparable. Vous avez bien conscience que si ça se trouve, il va être président de la République. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça serait une très bonne nouvelle pour la France. Mais ça... Donc François Hollande va représenter le PS en 2012. C'est son côté représentant qui a plu, vous croyez? Alors, quand on pense que l'espoir de tout un peuple, c'est Hollande avec ses lunettes Chris, ça fait réfléchir. C'est pas des lunettes Chris. Ah bon? Non. Ah, c'est des lunettes quoi? Le loup, un toll? Vous n'avez pas peur qu'il angoisse, Hollande, et qu'il se remette à grignoter entre les repas? Non. Il grignote un peu en voiture. Ah, ouais. Qu'il fasse attention, hein. Il ronge son frein. Une campagne électorale, c'est du saucisson, des coups de blanc sur les marchés. Est-ce que c'est un bon service à rendre à un mec qui s'est donné un mal de chien pour perdre 15 kilos? Non, sérieux. Ouais. Quand on voit la difficulté qu'ont pas mal de gens à maigrir, il a montré qu'il avait de la volonté. Bah oui, il faut qu'il fasse attention, là. Ouais, il est ferme. Ouais, ah, il est ferme. C'est pas des SK, quand même. Il paraît qu'Hollande s'est fait violer dans un hôtel par une femme de chambre. Ce qui prouve bien la différence entre les deux, quand même. Hein. Bon, alors, pendant la campagne, ma chère amie, vous n'avez pas été très tendre avec Martine Aubry. Vous avez déclaré « François Hollande n'a pas besoin des leçons d'une candidate de substitution ». Oui, parce qu'elle faisait des leçons à François Hollande sur la gauche et le fait qu'il fallait incarner une gauche dure. Et, or, lui, il était candidat avant que DSK ne soit dans l'incapacité de se présenter. Alors que Martine Aubry avait un pacte avec DSK. Mais bon, voilà. Alors, vous êtes responsable des questions d'environnement auprès de François Hollande. Vous êtes d'ailleurs une ex-verte. Ouais. Vous allez avoir du boulot pour recoller les morceaux avec Europe Écologie Les Verts. Jean-Vincent Placé, numéro 2 des Verts, a déclaré « Le peuple de l'écologie ira voter Martine Aubry ». Oui, mais vous avez remarqué que Eva Joly, par exemple, elle et ses amis d'ailleurs, Yannick Jadot, Julien Bayou ou bien Daniel Cohn-Bendit, eux n'ont pas appelé à voter Martine Aubry. Au contraire, même, c'était un peu insultant pour Eva Joly, qui est des gens de la direction des Verts, qui viennent dire « Ah ben, nous, on est très amis avec Martine Aubry », alors qu'ils ont leur candidate. Et nous, on ne s'est pas immiscé dans les primaires écologistes. Ouais. Donc, c'était totalement décalé. Ça va être dur de négocier avec les Verts, là, non? Non, mais ils veulent un accord électoral, il y a les législatives, ils ont besoin du Parti Socialiste pour avoir des députés et un groupe à l'Assemblée nationale. Ouais.
Donc, on est en bonne position pour négocier. Bon, alors, François Président, il a déjà le prénom en même temps. Ouais, c'est un prénom qui, voilà, bien français, ouais. Bien François Mitterrand. Ouais. Donc, il y a tout un imaginaire derrière. Ouais. En même temps, s'il suffisait de s'appeler François, Bérou serait président depuis longtemps. Ah, ouais. Mais ça, ça aide à y croire. Philippe Guéluc, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour votre nouveau livre, Guéluc enfonce le clou, publié chez Casterman, et votre série sur France 2, La Minute du Chat. Toutes les occasions sont bonnes pour faire saluer Terrien. Vous ne seriez pas un peu amoureux de moi, Philippe? Je commence à me poser des questions. Je suis un peu votre Jean d'Ormesson. Ouais. Qui, vous savez, chez Pivot, il revenait deux fois par an. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est vous qui êtes invité dans mon émission? Non, mais j'ai remarqué votre petit manège. Ça fait des années que ça dure. C'est vrai que vous ne me laissez pas indifférent. Mais j'ai ma vie, Philippe, vous savez. On ne peut pas se voir tout le temps comme ça non plus. Bah oui, on reste amis. On verra. Alors, vous êtes dessinateur, humoriste et belge. Oui. C'est toujours d'actualité. Enfin, je veux dire la Belgique. Belge, je ne sais pas. Alors, vous publiez chez Casterman « Guéluc enfonce le clou ». C'est dans la lignée de « Guéluc se lâche ». The Dark Side of Guéluc. Yes. Ah, oui. C'est sous-titré texte et dessin inadmissible. C'est inadmissible, absolument. Lors de la parution du précédent, Guéluc se lâche, ouais. Ce qui avait été un gros succès, ouais. Les gens étaient venus me voir. Monsieur Guéluc, on adore quand vous allez trop loin. Ah ben voilà, oui. C'est continuez, ça tout... continuez. Donc je reviens là avec un autre livre qui est peut-être encore un petit peu plus trash. Oui. Alors dès le départ, vous précisez que ce n'est pas de l'humour de tapette. Voilà. Mais vous excusez quand même auprès de toutes les tapettes qui lisent le truc, quand même. Mais c'est là, je peux pas me couper d'une partie de mon public. Bien entendu. Alors, vous militez pour le retour de la peine de mort. Mais pour des infractions légères. Oui, oui. C'est-à-dire les gens qui jettent des papiers dans la rue, oui. Ceux qui s'engagent dans les carrefours déjà encombrés. Ah ouais, ouais, voilà. Ouais. Avec pas de jugement et exécution sur place, vous voyez. Et je vous promets que ça roulerait beaucoup mieux dans Paris si on appliquait ma proposition de loi. Ouais. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour les crimes graves, c'était pas dissuasif, la peine de mort. Non. Mais je suis certain que pour les peines, que pour les trucs légers, ça le serait. Alors, vous racontez comment vous avez déduit que Dieu n'existait pas en apprenant que le Père Noël était un mythe. Mais en fait, le principe est le même. Mm. On te promet des choses, si tu es sage, la vie éternelle dans le cas des religions, et on te promet d'être puni si tu n'es pas... Et on te dit qu'il te voit, le Père Noël, et tu y crois. Oui. Et bon, à un moment, on te dit que c'est pas vrai. Donc, j'ai le sentiment d'apporter dans ce livre la preuve définitive de la non-existence de Dieu. Tout à fait. Je vois pas pourquoi on continuerait à débattre. Ça y est, c'est fait, on sait maintenant. C'est très marrant, votre bouquin. Vous expliquez pourquoi vous détestez les morts. Vous les trouvez froids et distants, hein? Oui, donc je dis à mes amis que j'ai envie de les serrer dans mes bras tant qu'ils sont chauds, parce que ensuite, c'est moins bien. Je cesserai de les voir. C'est moins bien, voilà. Alors, il y a un super dessin, c'est Hitler et Staline qui serrent la main de Philippe Maurice, le fabricant de cigarettes, et qui lui disent « Bravo, vieux, on n'aurait pas fait mieux. » J'ai fait le calcul, et c'est ahurissant. Au XXe siècle, la cigarette a plus tué que Hitler et Staline réunis. Ah, ouais. À part ça, donc, vous êtes tous les soirs sur France 2 avec la Minute du Chat, qui en fait fait 48 secondes, il faut dire la vérité. Juste avant le 20h, c'est une des réussites de la rentrée sur France 2. Ça fait plus de 3% d'audience. Non, attendez, on a dépassé les 3 millions de téléspectateurs. Ça marche très bien. Ouais. Tout le monde me dit c'est formidable, mais c'est trop court. Bah non. Au moins, on n'a pas le temps de s'endormir pendant mon programme. Ça, c'est sûr. En 48 secondes. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà, exactement. Alors, vous qui avez longtemps fréquenté Laurent Ruquier, juste une question comme ça, vous pensez quoi de Natacha Polony et Audrey Pulvar? Écoutez, j'espère être reçu pour parler de mon livre bientôt. Ah. Oui, j'adore. Non, mais... Non, elles font moins rire que les deux, que les deux Éric. Non, je sais pas. Mais qui faisaient, eux, un numéro de Laurel et Hardy qui était formidable. Ouais. Il faut qu'elles trouvent quelque chose. Ouais. Pas, et qu'elles soient pas que sérieuses et journalistiques. Bien, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Ludovic Vigogne, chef du service politique de Paris Match, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ça y est, le champion en titre connaît enfin son adversaire. Desca était KO avant de monter sur le ring, Royal n'a tenu qu'un round à la primaire. En finale, Aubry a fini au tapis. C'est donc Hollande qui est censé mettre Sarkozy KO en 2012.
A priori, pas de quoi trembler pour le détenteur du titre, François Hollande. Il est mou du gauche et son seul point fort, c'est l'esquive. Sarko qui se prend pour Superman contre Hollande, le type normal, on se demande s'il boxe vraiment dans la même catégorie. À l'UMP, on se réjouit. Le parti a commandé une étude selon laquelle les Français associent Sarkozy au personnage de Jack Bauer dans 24 heures chrono. D'ailleurs, dès demain, Sarko s'envole vers Bruxelles pour sauver l'Europe. Dans la foulée, il a prévu un crochet par Pékin et Washington. Et si tout se passe bien, début novembre à Cannes, en clôture du G20, Super Sarko nous expliquera comment il a sauvé le monde. Tandis que pour François Hollande, dans le même sondage, les Français citent plus volontiers le corneau. Oh, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Alors, en 2012, ce sera Jack Bauer contre Bourville? Ben, le problème de Jack Bauer, c'est qu'il est l'archétype du surhomme, d'accord, mais comme il ne respecte aucune loi, casse-toi, non, eh ben, il n'est pas fait pour être président. Tandis qu'à la fin du corneau, tout le monde est bien content quand Bourville récupère le diamant. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Ludovic Vigogne, bonsoir. Vous êtes chef du service politique de Paris Match. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, Sarko peut-il encore être élu? Aujourd'hui, les sondages donnent Hollande à 62 et Sarko à 38. Mais faut faire attention avec les sondages. C'est bien qu'ils soient hauts. Oui. Ça montre que les primaires, ça a été un succès. Ah ouais. Ça montre que c'est une rampe de lancement pour la campagne, mais Sarkozy, c'est un bon candidat en campagne, bien que très mauvais président. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser griser. Arnaud, ce 62-38, ça vous dit quoi? Je crois qu'il va gagner facilement. Ah oui, c'est sérieux, je crois qu'il c'est va possible, gagner facilement. Mais c'est possible. Parce qu'il tient l'Europe à bout de bras. Sans lui, l'Europe aurait déjà explosé. Parce que les Allemands, même, moi, je peux parler de l'Allemagne. Ma mère est allemande, mon grand-père était dans la Wehrmacht, donc je connais quand même l'Allemagne. Les Allemands peuvent très bien renoncer à l'Europe. Et si l'euro saute et si l'Europe saute, c'est les reprises des guerres dans les Balkans et c'est un retour au nationalisme. Et je m'étonne que le Parti Socialiste puisse avoir en son sein des gens comme Montebourg, qui est un clone un peu pompeux de gens comme Mélenchon, qui veulent finalement pas d'Europe. L'Europe, c'est la paix, ça a toujours été la paix. Et quand il n'y a pas l'Europe, eh bien, il y a la guerre. Et seul quelqu'un comme Sarkozy peut imposer cela à Merkel, qui, elle, les Allemands ne veulent pas payer pour l'Europe, ouais. Alors qu'ils en retirent des bénéfices de l'Europe. Ouais. C'est, finalement, l'euro, c'est comme c'est le marque, mais ils ne veulent pas payer pour que l'Europe s'intègre petit à petit. Il faut quelqu'un qui ait la poigne de Sarkozy, qui ait peut-être les mauvaises manières, on dit casse-toi, pauvre con, vous avez montré, mais qui ait aussi les mauvaises manières de Sarkozy pour l'imposer à Merkel. Les Allemands sont prêts à... L'Europe s'est faite beaucoup grâce à des socialistes, quand même. Et le grand Européen qui était François Mitterrand, c'est quand même lui qui a permis qu'on fasse avancer l'Europe politique. Ce qu'a fait Sarkozy, c'est qu'il a complètement déstructuré le couple franco-allemand qui ne marche pas. Et face à la crise financière, là, aujourd'hui, on a des pays qui partent dans tous les sens. Il n'a pas déstructuré, c'est lui qui maintient cela. Parce non, que les Allemands ne veulent non. pas. Les Allemands fabriquent des machines-outils et ils se disent, bon, les Français, ils peuvent toujours fabriquer du fromage et du champagne. Les Allemands, ils ont la compétence. Du tout. Aujourd'hui, on a une crise financière et la France est sous la menace d'une dégradation de la note par les agences de notation. Et tout ce qu'a fait Sarkozy depuis 2004... la politique économique, la politique fiscale, ça n'a fait qu'aggraver la crise. Donc il n'a rien maintenu du tout. Arnaud, pour vous, c'est Sarkozy ou la guerre, en gros? Oui, à long terme, ce sera la guerre. Vous avez quand même, en trois mots, accusé, en gros, Hollande de vouloir déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est un petit peu ça, si je vous Pas de vouloir, mais d'en être la cause, en tout cas. D'essayer. Ludovic Vigogne, qu'est-ce que vous pensez de ce 62-38, vous? Ah, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera sans doute pas ça le résultat, hein, parce qu'on voit mal Hollande faire quand même 62%, mais il n'y a jamais eu un président qui a été dans une telle situation à 6 mois d'une élection présidentielle à laquelle il veut se représenter, ça c'est sûr. Jamais Giscard, jamais Mitterrand, jamais Chirac. Personne n'a été à 38. Jamais un président a été si bas dans une si mauvaise posture à 6 mois de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il peut faire, notre ami Sarko, pour se relever? Alors, déjà, et là je me retourne vers vous, utiliser contre Hollande les arguments des concurrents de la primaire. Pour reprendre l'argument de Ségolène Royal, pouvez-vous me citer une seule chose qu'il a faite en 30 ans de vie politique?
Il a été 11 ans premier secrétaire du Parti Socialiste. Il a permis au Parti Socialiste de faire son meilleur score aux européennes. D'ailleurs, à l'époque, en 99, c'était Nicolas Sarkozy qui était en face de François Hollande. Et François Hollande avait fait un excellent score. Il a permis à la gauche de gagner les régionales en 2004 avec 22 régions sur 24. Il a tenu l'unité du parti après le 21 avril, quand même, qui était un traumatisme pour tout le monde. Il a permis de reconstruire, de tenir le parti. Il est député depuis plus de 25 ans et il est à la tête d'un département qui était un département chiraquien, qui était un département le plus endetté de France et un département chiraquien. Il a gagné ce département. C'est un bonhomme politique local alors que le problème est international. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne parle plus que d'international et ses turiféraires ne parlent plus que d'international parce qu'on sait très bien qu'en France, c'est une catastrophe. Il ne peut plus se déplacer en France. Alors, Martine Aubry, Hollande, c'est flou et quand c'est flou, il y a un loup. Mais le loup, en tout cas, c'est celui qui l'a emporté avec 57% à la primaire. Il a mangé les 3 petits cochons. Donc, le loup a mangé les 5 petits cochons. Il faut aller le voir en meeting. Oui. Il faut le voir en live, en fait. C'est comme les concerts de jazz. Billon, c'est comme Billon. C'est mieux en live. Et voilà, il faut le voir en live parce qu'il est excellent. Quand on dit qu'il est mou, c'est peut-être pas vrai, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Non, mais il y a un schéma de l'homme politique traditionnel. Ça doit être forcément celui qui, en gros, celui qui en a, c'est ça ? Non, donc c'est un schéma super viril. Non, l'homme politique traditionnel, c'est celui qui contente tout le monde et qui fait un peu comme banquet de la Troisième République, qui fait rire tout le monde, qui a des bons mots et qui fait un peu président du Conseil général. Vous lui mettez une barbe à François Hollande, il fait président du Conseil général en 1895. Nicolas Sarkozy, il fait quoi, Nicolas Sarkozy ? Mis à part rouler des mécaniques, il roule des mécaniques, il nous fait croire qu'il est en train de sauver la Libye, Ça donne pas plus envie, hein. Non plus, il veut pas péter la gueule à tout le monde. Il soutient l'unité européenne, qui est le gage de la paix et de la prospérité. On est quasiment au bord de l'explosion de l'euro. Donc vous pouvez pas dire qu'il soutient l'unité européenne. Alors, jamais ça n'a été aussi catastrophique. Moi je vais vous dire, il y a peut-être une troisième voie. Prenez exemple sur nous, la Belgique, ça fait 500 jours qu'on n'a pas de gouvernement et ça continue à marcher. Ça marche très bien. Donc essayez peut-être un jour. Ludovic. En tout cas, ce que dit Arnaud est intéressant parce que c'est aussi ce que pense Sarkozy. C'est-à-dire, Sarkozy, il a été vachement déçu par Hollande. Il pensait en 2002, quand il a pensé à 2007, que ce serait Hollande qui l'aurait face à lui. Et puis en fait, Hollande a été dépassé par sa femme. Sarkozy l'a trouvé un peu mou, il a été un peu déçu. Et depuis, il n'a plus beaucoup d'estime pour lui. Moi, je pense que c'est justement pour cette raison-là que François Hollande va être élu président de la République. Parce que les gens en ont marre des rodomontades d'adjudant-chef, de ceux qui roulent les mécaniques, qui font croire aux Français qu'ils vont tout résoudre. Il a vraiment promis beaucoup de choses. Il est venu chez moi en Moselle, il a promis aux ouvriers de Gandrange que jamais la scierie n'allait fermer. C'était au lendemain de son mariage, c'était son voyage de noces. Il a dit jamais la scierie ne fermera. Elle a fermé un an après. Il a fait des promesses à tout le monde. Et au final, aujourd'hui, les Français sont déçus. Alors justement, là, on a vu tous les arguments qui avaient été utilisés par les adversaires de François Hollande à la primaire. On va passer à Fillon. Alors lui, ça le fait marrer, réenchanter le rêve français. Fillon, il dit, non, attendez, vous rêvez, quoi. On est au bord de la faillite, l'Europe va exploser. Mmh. Vous aussi, vous êtes d'accord pour réenchanter le rêve français ? Il faut quand même bien donner un espoir dans ce pays, sinon qu'est-ce qui va nous rester ? Il n'y a pas de raison d'avoir d'espoir. Il aura un moment de vérité, Hollande, pendant sa campagne. C'est le moment où il va prendre ses distances avec toutes les promesses qui ont été faites par le PS. À un moment donné, la situation économique va le contraindre à revoir toutes les promesses à la baisse. Et c'est à ce moment-là qu'on verra vraiment ce qu'il a dans le ventre. Pour l'instant, vous avez encore le triple A. Oui. En France. Oui. Vous savez que ça fait quand même 2 A de moins que l'andouillette. Alors, argument de Guénaud, qui vous plaira beaucoup, Arnaud, j'imagine, on ne vire pas Churchill au milieu de la guerre. C'est pas mal, ça. Je trouve que le seul point commun entre Churchill et Sarkozy, c'est que Churchill, après la grande crise de 1929, a été un assez piètre économiste. Il était assez mauvais économiste. Et donc, il a assez mal géré la crise de 1929. Alors, on continue avec Baroin, qui dit « La retraite à 60 ans provoquerait, dans la minute, la dégradation de la note de la France. » Si les Allemands travaillent jusqu'à 65 et les Français travaillent jusqu'à 60, il faut qu'il y ait une unité européenne sur les nombres, sur les impôts, sur la retraite et tout ça. Revenir à 60 ans, ben oui, évidemment que la France tomberait à B, même pas. D'abord, il est absolument normal que des gens qui aient commencé à travailler tôt, qui ont des métiers pénibles, qui sont des ouvriers, par exemple, dans l'industrie, qui ont leurs 41 annuités de cotisation. Donc, ils ont payé leurs cotisations. On ne va pas les faire travailler jusqu'à 70 ans en disant les Allemands font la même chose. Parce que les Allemands, ils n'ont pas 41 annuités de cotisation, ils en ont 37 et demi. Votre père a travaillé très durement.
Ben moi, mon père, il n'a même pas tellement profité de sa retraite, puisqu'il est mort à 54 ans, puisqu'il a été, il était mineur et il a passé 30 ans au fond d'une mine de fer. Mais et... les cadres vivent 7 ans de plus que les ouvriers. Oui. Ça, c'est l'injustice quand même la plus terrible. Et les animateurs terrible, hein. Télé, 7 ans de plus en plus. Regardez Drucker. C'est comme le pape. C'est. Oui. En fait, parce que vous avez remarqué qu'il n'y a jamais aucun pape qui est arrivé à la retraite. Non. Non. Ils meurent tous dans l'exercice vrai, des fonctions. Mais c'est quand même très injuste pour les papes. C'est comme une réflexion que je me suis faite l'autre jour. On n'a jamais vu deux papes bavarder ensemble. Oui, c'est vrai. Il y a eu un pape à Avignon. Hein. Oui. Oh, toi, tu diras, il est chiant. Il est humoriste, mais quand on lui fait... c'est pour rire. Bien. En tous les cas... Mais pas du tout, pas du tout. Miaou. On continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Maintenant qu'elle est là, faut-il parler de la naissance de la fille de Carla et Nicolas ? Avec 300 journalistes devant la clinique, c'est un peu tard pour engager un grand débat déontologique. Pourtant, le journal Grazia a quand même posé la question aux Français. À la question, souhaitez-vous que les médias parlent de cet événement ? Par exemple, qu'ils donnent le poids et la taille de l'enfant à la naissance ? 82% des Français répondent non. Ah bon ? Ben peut-être que vous aimeriez que Carla Bruni en dise un petit mot publiquement. Là encore, 84% de non. Et si Nicolas disait un petit mot ? Allez, juste un petit mot ! Cette fois, c'est 86% de non. Oh, allez, quoi ? Vous voulez pas au moins voir une photo de l'enfant ? Là encore, c'est non et à 87%. Mais pourquoi y a-t-il tant de journalistes pour couvrir et commenter un événement dont les Français ne veulent pas entendre parler ? Eh ben justement, on a posé la question aux Français. 64% d'entre eux pensent que cette naissance sera l'occasion pour les médias de parler d'autre chose que des affaires ou des problèmes d'emploi et d'éducation. Oh là là, mais quelle bande de rabat-joie ces Français! Pour une fois qu'on avait une bonne nouvelle à leur annoncer, c'est limite si on va pas se faire engueuler. Révoltez-vous! Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Alors, Arnaud, vous avez des nouvelles du bébé, de Julia, non ? Non, j'ai pas de nouvelles du bébé. Pas de nouvelles ? Non. Vous connaissez bien Carla, quand même. Oui, oui, je connais Carla, mais j'ai pas eu de nouvelles du bébé, ni de maman. Ah bon ? Vous parlez plus ? Si, si, j'ai félicité, mais j'ai pas eu de nouvelles du bébé. Vous l'avez appelée, quand même ? J'ai envoyé un SMS. Elle vous a répondu ? Non, elle a pas répondu. Non, je vous demande tout ça, mais bon, moi, si j'avais une aventure avec Bernadette Chirac, vous m'en parleriez aussi. Ce qui est terrible avec cette naissance, c'est qu'on pensait que Sarko allait en faire étalage, et en fait, c'est très discret. Non, il le montre pas. Non. Je veux dire, c'est pas physiquement, il veut pas... pas rire du physique des bébés. Mais on imagine. Non, c'est ça, il faudrait qu'il le montre, parce qu'on peut imaginer tout. Ouais. Imaginer qu'il ressemble au père. Alors, je sais que c'est pas votre spécialité à Paris Match, mais j'imagine que tout le monde est sur le coup, non ? Bah, bien sûr, ouais. C'est quand même un événement. La France reste quand même un pays assez royaliste, donc on reste assez fasciné par la vie des présidents, de leurs femmes. Voilà, donc on veut mais là, savoir. C'est bizarre, d'après le sondage de Grazia, finalement, les gens veulent pas en entendre parler, c'est bizarre. Ouais, mais c'est très paradoxal, c'est très faux cul, en fait. Ils veulent pas en entendre parler, et puis ils veulent savoir à quoi ressemble le bébé, le prénom, et tout ça, et tout ça. La une de Paris Match, elle se vendra comme des petits pains. Est-ce que c'est tenable, la position de ne pas le montrer, ce bébé ? Oh, je suis sûr qu'on verra au minimum un landau. On verra à un moment donné le président, sa femme se promener. On verra un landau. Après, on les verra peut-être pas avec le bébé dans les bras, comme ça se faisait il y a quelques années. Voilà, Sarkozy, il a tiré les leçons de ce qui lui est arrivé avec Cécilia, une surexposition dont il a été victime. Donc là, il a décidé de faire l'exact opposé, même si c'est pas du tout sa personnalité. Hein. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de sa vie privée à tout le monde, de ce qu'il fait. Il a peu de jardin secret, peu de jardin intime. Et donc là, il va à rebrousse-poil de ce qu'il est. Alors, Paris Match, vous avez un appartement en face de la clinique, j'imagine. On a l'immeuble. Il vous fait peur, ce bébé, au Parti Socialiste ? Pas du tout. Mais je pense que ça doit rester dans le domaine privé et que ça n'intéresse pas les gens. En tous les cas, on dit toujours que Sarkozy tient pas ses promesses. Il avait promis un bébé à Carla, il lui a fait. Bien. Ludovic, merci d'avoir été avec nous. Merci, Thierry. Ce fut un plaisir. Nous sommes toujours en compagnie d'Aurélie Filippetti, d'Arnaud Klarsfeld, de Philippe Guéluc. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Léonard Sandoux, bonsoir.
Alors, depuis plus d'un an maintenant, la communauté rom cristallise l'ensemble des dispositifs sécuritaires du gouvernement. Il y a eu le discours de Grenoble, prononcé le 30 juillet 2010 par Nicolas Sarkozy. Il y a eu la circulaire de Brice Hortefeux visant en priorité l'évacuation des camps de Rom. Mais mis à part quelques secondes au journal télévisé, on ne voit jamais de Rom à la télévision. Et surtout, on n'en entend jamais. Qui sont-ils? Que viennent-ils chercher en France? Comment survivent-ils en marge de nos sociétés? Pour la première fois, l'un d'entre eux a accepté de témoigner sur un plateau de télévision. Bienvenue, Léonard. Merci. Merci de m'inviter. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir. À vous, Stéphane, pour Guillon 2012. Et on commence avec la bonne nouvelle de la semaine, la naissance de la fille de Carla et Nicolas Sarkozy. Je suis très heureux, c'est une très jolie petite fille, 3,2 kg, petite Julia. Malheureusement, j'ai pas pu la prendre dans les bras. Le personnel soignant a été formel, il m'a dit, monsieur le président, un bébé secoué, c'est très emmerdant. Et là, je me suis souvenu que Paul Sarkozy, mon papa, immense artiste peintre, m'avait énormément bercé. En tout cas, je suis très ému. Quand elle est sortie, j'étais un peu inquiet. J'ai dit, elle pleure pas. Elle m'a répondu, si, elle pleure, mais comme elle a la voix de sa maman, on l'entend pas. Liliane Bettencourt, placée sous tutelle, atteinte de la maladie d'Alzheimer, la milliardaire n'est plus capable de gérer son patrimoine. Son petit-fils témoigne. La dernière fois, elle n'a pas reconnu Nicolas Sarkozy sur une photo. Ouais. Mais si, mamie, souviens-toi, un petit monsieur sous amphétamine qui avait la bougeotte. À chaque fois qu'il venait, on remplissait les valises. Il était accompagné d'un monsieur très distingué avec un goitre et des chaussettes rouges qui répétait toujours « Je vous demande de remplir les valises ». Il y avait un autre gars qui comptait les enveloppes, un grand avec une tête de curé. Mais tu te souviens pas, mamie? Non, je me souviens pas. C'est triste, la démence sénile. Pub! Quand vous êtes vieux, affaibli et fragile, L'Oréal vous place sous tutelle. L'Oréal, parce que je ne vaux plus rien. Protégeons nos vieux, aimons-les. Faisons vivre ensemble Jacques Chirac et Liliane Bettencourt. Débarrassons Jacques de Bernadette et Liliane de sa fille. Liliane pourrait craquer son blé et Jacques bouffer comme un chancre et draguer les gonzesses. Le lendemain, ils auraient tout oublié et recommenceraient à s'éclater. Aimons nos vieux. Déclaration de Didier Barbelivien. Le public ne le sait pas forcément, mais j'ai écrit de nombreux flops. Si, on le sait, Didier. On le sait. Si. Ah, excusez-moi. Oui. Oui, Michel. C'est Michel Alliomarie. Ah oui. Ouais, je sais. J'ai appris la nouvelle. Mais il a pas souffert, Michel. Non. Dites-vous ça, il a été tué sur le coup. Je sais que vous étiez très lié, Michel. Ouais. Et du coup, oui, vous savez, vous avez pas où passer vos vacances. Mais allez en Syrie, Michel, en Iran, en Corée du Nord, il y a d'autres dictatures, la vie continue. On vous embrasse, en tout cas. Tenez bon, Michel. Éric Besson a envoyé un tweet par erreur. Ah oui. Quand je rentre, je me couche, trop épuisé. Avec toi? Point d'interrogation. Depuis, les internautes s'interrogent. La femme d'Éric Besson n'aurait pas de Twitter. Alors, à qui
à qui était destiné ce message. Ça, c'est de la diffamation. Non, c'est de la diffamation. Besson a toujours été quelqu'un d'extrêmement fidèle en amour, en politique. On ne peut pas imaginer une seconde qu'il se conduise en traître, en félon, et qu'il aille voir ailleurs. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Hein. C'est vrai, ne dit-on pas fidèle comme un Besson. Bah oui. Sobre comme un Borloo. Après que Lacoste ait demandé au tueur d'Oslo de ne plus porter ses polos, c'est maintenant Adidas qui demande à Elton John de ne plus porter ses survêtements. Frédéric Mitterrand, toujours très organisé, a déjà écrit la biographie de la fille de Carla et Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Née dans une clinique entièrement bunkérisée, vidée de tous ses bébés pour des raisons de sécurité, la petite Sarkozy connaît très tôt les affres de la solitude. C'est elle déjà, petit bout de chou, que dans quelques mois, elle devra quitter son berceau douillet de l'Élysée, car François Hollande, surnommé Flamby, a mis une branlée à son papa. Départ vers la maison familiale où maman se remet malheureusement à chanter et où Nicolas, triste et désœuvré, essaye de convaincre les copropriétaires du Cap Nègre d'installer le tout à l'égout. Rattrapé par l'affaire Karachi, papa ira dormir plusieurs années au Baumettes, une grande maison à Marseille où il retrouve tous ses anciens amis. De plus en plus seule, la petite Sarko, qui ne supporte plus les vocalises de maman, les absences de papa et les visites de Monsieur Bertrand, ce gros faillot qui lui apporte chaque semaine des friandises. La petite Sarko, née pour que papa remonte dans les sondages, mais n'ayant pas réussi sa mission, s'enferme pour toujours dans la tristesse et la solitude. Bonsoir. C'était Stéphane Guillon. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. En France, le terme « Rome » désigne quelques 15 000 immigrés récents, roumains ou bulgares. Mais attention, il ne faut pas confondre avec les 400 000 gens du voyage qui sont français à 95%. Alors Léonard, vous êtes né le 28 octobre 1989 à Ourdziceni. Oui. Une petite ville située à 50 km au nord de Bucarest. Exactement. Votre père, Georgica, était maréchal ferrant. Oui. Votre mère, Petrouchka, femme au foyer. Et vous avez trois sœurs. Oui. Au début de l'ère post-Ceaușescu, tout va bien. La fabrication des fers à cheval pour les bêtes de trait marche à tour de bras et l'atelier de votre père ne désemplit pas. Oui. Chez les Sandou, à cette époque, on mange à sa faim. Oui, on était bien avant, on est vivre bien. Donc mon père, il travaille tout le temps, puis il y en a tout le temps de clients. Ouais. Et comme ça, notre vie, c'est plus facile. Alors vous allez à l'école et oui. Vous rencontrez Maria, qui deviendra votre femme et oui. La mère de vos deux enfants. Mais au cours des années 2000, votre père est rattrapé par l'industrialisation, c'est-à-dire que dans les champs, les machines remplacent les chevaux, donc il n'y a plus à fabriquer de fer à cheval. Et votre niveau de vie s'effondre. Oui. D'un seul coup, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus, parce que lui, il n'y en a plus de travail. Oui. Alors, votre père essaie de se diversifier, il fait des petits boulots, il essaye de vendre des fruits et légumes, oui. Il travaille sur des chantiers. Il y a beaucoup de monde qui n'en a plus de travail, ouais. Tout le monde cherche du travail, il n'y a pas pour tout le monde. Alors, c'est donc sur vous, qui êtes jeune et instruit, que retombe la responsabilité de maintenir la tête du foyer hors de l'eau. Oui. Le 1er janvier 2007, la Roumanie devient membre de l'Union européenne. Et pour des gens comme vous, évidemment, c'est l'occasion de sortir de votre pauvreté. Oui. Alors, le premier à partir, c'est votre oncle. Hein. Mon oncle, oui, il a parti en France avec un bus. Il s'installe à Montpellier. Oui. Et lorsqu'il commence à envoyer 200 ou 300 euros par mois, évidemment, tout le monde vous regarde en disant, après tout, si lui fait ça, pourquoi tu ne le ferais pas?
Et en juin 2007, à l'époque, vous n'avez pas encore 18 ans, vous prenez le bus de Bucarest à Montpellier pour aller rejoindre votre oncle, coûte 70 euros pour faire le voyage. C'est lui qui m'a envoyé l'argent pour aller à Montpellier. D'accord. En fait, quand vous partez en France, il ne vous reste que 2 semaines pour finir votre scolarité. Oui, parce que mes parents, comme il n'y en a plus de travail, il n'y en a plus d'argent pour me payer les transports, de continuer ma l'école. Il n'y en a plus l'argent pour manger, il n'y en a plus rien. Donc vous êtes obligé d'arrêter vos études, en fait. Exactement. Voilà. Alors, vous arrivez à Montpellier, vous êtes accueilli par votre oncle, et là, vous découvrez, en fait, que tous ces Roms vivent dans un campement où il y a des dizaines de familles qui sont installées là. Et pour vous loger, vous empruntez de l'argent à votre oncle et vous achetez une caravane qui ne roule pas. C'est une caravane qui est sur des parpaings. Une petite caravane cassée et une misère. 70 euros la caravane. Oui. Et là, vous vous mettez au boulot. Et le boulot, c'est quoi ? La mendicité, oui. Est-ce que vous êtes déçu quand vous voyez ça ? Est-ce que vous pensiez que votre oncle avait un meilleur travail en France ? Vous pensiez quoi ? Vous pensiez que vous alliez travailler dans le bâtiment, dans le bâtiment, chantier ? Dans le bâtiment, chantier, oui. Alors, vous avez un petit papier avec écrit « J'ai pas de logement, j'ai faim, merci de m'aider avec une petite pièce ». Exactement, avec sa papier, on est distribué sur la terrasse. Alors, votre oncle, lui, il gagne 20 euros par jour. Mais vous, comme vous commencez, vous savez pas très bien faire, vous gagnez 2 euros. 2 euros, oui. J'ai vu 2 euros dans ma main. J'ai appelé rapidement mon père. J'ai expliqué c'est quoi le boulot en France. Je lui demandais à m'envoyer quelques d'argent de revenir en Roumanie. Oui, à ce moment-là, vous voulez revenir en Roumanie parce que vous dites « je ne peux pas rester ici ». Et qu'est-ce qu'il vous dit, votre père, à ce moment-là ? Mon père, il m'a dit « pour l'instant, je n'ai pas de l'argent. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais prêter, je vends quelque chose dans nos maisons pour t'envoyer quelque chose d'argent d'arrivée. » Ouais. Alors voilà, la situation vous interdit de baisser les bras aussi facilement et vous restez en France. Vous n'avez pas d'autre solution que de rester en France et de mendier. On n'a pas autre chose à faire de vivre. Ouais. Alors au bout de quelques temps, vous récoltez vous aussi 20, 30 euros par jour. Ça commence à marcher un petit peu mieux. Ouais. Mais vous dites, si j'étais en Roumanie, je ne ferai jamais la mendicité, je suis orgueilleux, je ne veux pas qu'on me voie faire ça. Du tout, parce que mes parents sont respectés dans mon pays. Il y a une famille respectée de tout le monde. Il y en a du travail avant. On est une famille normale. Ouais. Pour faire la mendicité en Roumanie, c'est très dur. Et en France, vous avez un peu honte de le faire, finalement. Ici, en France, c'est pas pareil. Ouais. Ben vous connaissez personne, déjà. Exactement. Alors, bientôt, vous avez les moyens, Léonard, de faire venir votre père. Et ce qui est terrible, c'est que votre père vient en France, mais se met aussi à mendier pour envoyer de l'argent à votre famille en Roumanie. Oui, je l'ai expliqué comment ça passe. Là, vous rentrez, vous mariez en Roumanie avec Maria à ce moment-là. Et en mars 2008, votre père, votre mère, votre femme et vos 2 sœurs viennent en France. Exactement. Vous vivez dans le camp de Rome. Oui. Tous ensemble, dans des petites caravanes. Dans le camp, dans une grande microbe, sans hygiène, sans électricité. Ouais. La misère. La misère, pour vous, c'est le manque d'argent et la saleté, hein ? Ouais. Exact. Ouais. Et vous préférez ça plutôt qu'être en Roumanie ? Oui. Pourquoi ? C'est plus bien à mon pays. Si j'ai du travail, j'arrive plus en France. Alors, à peine arrivé en France, votre femme tombe enceinte. Vous ne voulez pas élever votre enfant dans ces conditions. Vous devez absolument trouver du travail, mais c'est impossible. Alors, vous raccompagnez votre femme en Roumanie à ce moment-là. Oui, parce que mon bébé, dans un camp sans électricité, sans hygiène, je croyais que c'est impossible de rester avec un petit bébé dans sa condition. Ouais. À Montpellier, vos activités habituelles, c'est la mendicité et puis la ferraille aussi. Vous allez chercher la ferraille un peu partout dans les poubelles, dans les déchetteries, un peu partout, etc. Vous faites aussi du transport. Comme vous avez le permis de conduire, vous emmenez d'autres Roms en Roumanie.
Alors là, vous faites 2400 km de route, avec des routes de montagne en arrivant qui sont extrêmement difficiles. Ça vous rapporte 300 euros. Donc vous donnez 200 euros à votre femme et vous repartez à Montpellier avec les 100 euros en bus. Alors, le 21 septembre 2011, vous accompagnez un voisin à Toulouse. Oui. Et sur la route, vous vous arrêtez dans un supermarché pour faire le plein. Oui. Le voisin en profite pour aller acheter à manger. Et quand il ressort du supermarché, il a l'air très pressé. Oui. Il vous dit « Monte, monte, dépêche-toi, démarre, on s'en va, on s'en va ». En fait, il avait volé une veste. Et comme vous, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, vous le respectez. Exactement. Donc vous osez rien dire et vous partez tous les deux dans la voiture. Exactement. Avec la veste volée. Exactement. Alors à peine sorti du parking, deux policiers vous arrêtent. La policier m'a attrapé d'ici, ouais. Rapidement. Il m'a dit « Comme un chien, couche-toi ». Je voulais expliquer qu'est-ce que j'ai fait, parce que c'est pas moi qui fais une infraction. Oui. Comme ça, il m'a laissé pas parler. Il voulait me taper et tout ça. Après, il m'a envoyé à commissariat, 30 heures de garde à vue. Parce que la police considère qu'il y a eu vol en réunion. Oui. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas Exactement. Coupable du vol, vous êtes complice du voleur. Vous êtes envoyé devant un juge, ensuite dans un centre de rétention à Toulouse. Et vous êtes expulsé en Roumanie. Exactement. Après quelques jours avec votre famille, vous revenez. Vous revenez à Montpellier. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez votre temps à faire des allers-retours. J'ai revenu, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes à Montpellier. Oui. Vous avez un camion. Oui. Que vous avez acheté pour faire de la collecte de ferraille d'une façon plus efficace. Évidemment, ce camion, voilà, vous ne l'avez pas acheté très cher. Il n'y a pas eu de contrôle technique, il n'y a pas d'assurance. Du tout. Et vous dites, si j'ai de la chance, je ne me ferai pas interpeller avant de l'avoir remboursé. Et oui. Alors désormais, vous avez une seule idée en tête, c'est retrouver votre femme et vos enfants, évidemment. Oui. Alors vous dites, mes enfants, ils grandissent sans moi, c'est pas bien. La dernière fois que je les ai quittés, j'ai pleuré toute la route jusqu'à Montpellier. Oui. Ils vous manquent. C'est très, très dur à laisser mes enfants seuls, sans moi, sont grandis sans moi. Et c'est pas une vie, ça. Ouais. Alors Arnaud, c'est eux que tu renvoies là-bas. Vous avez exposé le problème. C'est-à-dire, la France non plus ne peut pas accepter que des gens, que toute une partie de l'Europe aille se déverser à Paris pour aller mendier sur les Champs-Élysées. C'est pas possible. Il est jeune, il est en bonne santé, vous voyez ce que je veux dire. Il est pas, quand il retourne en Roumanie, il n'est pas exterminé, il n'est pas tué. Il revient vers un pays où il est... où il gagne moins d'argent qu'en France. Mais en même temps, là, il a le droit d'aller en France, parce qu'on est dans l'espace Schengen. Donc, les Roms sont bien vus, mais il faut qu'ils soient en situation régulière, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, il faut qu'il ait les moyens de subvenir, disons, qu'il ne soit pas une charge déraisonnable sur les comptes publics. Et la France non plus ne peut pas accepter, ça vous le comprenez, qu'il y ait des campements Roms, des bidonvilles qui soient créés aux alentours de Paris, et qu'il y ait des réseaux de mendicité qui exploitent des enfants, puisqu'il y a des mafias aussi qui se créent. Ça concerne 15 000 personnes en France. Il y a 15 000 Roms en France aujourd'hui. Ils vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Ils n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas travailler. Donc ils sont dans cette situation où effectivement, s'ils retournent dans leur pays, non seulement ils n'ont pas de travail, mais en plus on le sait, il y a effectivement des problèmes de discrimination vis-à-vis des Roms. Non mais attendez, je vais juste poser une question. Tu es Rome? Ouais. Tu habites là-bas en Roumanie, tu crèves de faim. Bah, je vis en France parce qu'on mendie en France. Et ben voilà. Ce qui est d'ailleurs et ben moi, je ferais pareil. D'accord. C'est qu'à un moment, quand tu crèves de faim. C'est pour ça que je ne fais pas. Non, crève pas de faim. Crève pas de faim. On vit moins bien, mais on crève pas de faim. On ne meurt pas. Dans les années 30, on mourait de faim en France quand il y avait la Grande Crise. Ça, c'était aux États-Unis, on mourait de faim. Il faut avoir eu faim pour savoir ce que c'est. Mais on ne peut pas. La France, les pouvoirs publics ne peuvent pas accepter qu'il y ait des bidonvilles, qu'il y ait des enfants qui mendient et qui volent les gens et qui donnent tout à un chef mafieux qui se fait construire des villas luxueuses. S'ils ne donnent le droit de travail en France, on ne fait pas de problème. Tout la Roumaine, il y a 150 métiers qui sont ouverts, d'ailleurs, aux citoyens roumains. Il n'a pas de travail. Oui, ce qu'il faut dire quand même, c'est que Léonard a trouvé un travail à Montpellier dans un jardin. Il s'occupait d'un jardin
et la patronne l'a viré parce qu'elle avait peur de la police, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, j'ai trouvé du travail dans le jardin, j'ai travaillé 2 jours. La dame m'a dit, j'ai du travail 2-3 mois. J'ai allé du travailler que 2 jours. Après, il m'a expliqué, je ne peux pas continuer avec toi. Mais Vazan, il peut appeler la policier parce que toi, tu n'es pas... Parce qu'elle ne vous déclarait pas, mais il y a 150 métiers qui sont ouverts aux citoyens romains. Vous savez bien que la stigmatisation des Roms, aujourd'hui en France, vous dites que vous êtes Roms, déjà à cause justement de tous ces discours de Nicolas Sarkozy, de Guéant, etc. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes Roms, et bien forcément, vous n'allez pas trouver de travail. Bien. Merci, Léonard Sandou, d'être venu témoigner. Voilà, c'était Salut les Terriens. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko et l'édito des Gréments. Salut les Terriens. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.